Ce jour, pour dire aux Congolais quelle façon nous devons désormais nous saluer pour mobiliser ce peuple pour que triomphe le combat pour la démocratie. Le destin du peuple congolais, c'est entre les mains congolais. Nous ne sommes que des lampes témoins en tant que leaders pour indiquer la voie à suivre. Le peuple gagnera parce que Dieu est avec nous. Personne ne sera contre nous. Voilà, merci. Bienvenue chez vous, nos amis internautes, toujours branchés dans votre site internet www.congodialogue.com. Babino José Boloa, tu es sur notre petit écran. Tu peux suivre nos merci, attention, bozo, vraiment, qu'on peut s'accabisso. Na ba émission bozo, l'andaka, chaque fois que tu es sur notre petit écran. Merci, Mingi, na plateau. Ton disponibilité à la grande dame Francine Ngué ma ma coquille à atteindre Bisikano Sobozali. Alors comme vous savez, Tolanda a toujours information en actualité, les autres en quatre moko politique. Boyibika que à comment lokola d'être son bien partenaire associé moi brand moko boy donc homme sage. Ya Congo dialogue, na émission espace dialogue. Nazoya mbela bino lisusu le président national congolais monsieur Kilele. Ce qui a la une, je crois que semaine au Koleka, depuis Tobandi, moi, Oyo Mobimba, Mboke Zalaki na Nungu Nungu, alors Tovana Kikimia, tu évites une politique à Congo, mais ma biso wapi, tu es quitté à Korango Zalaki signé, tu as signé, tu es Zalaki respecté, toté. Et après, na début à moi, Oyo, le président de la République, son Excellence le Joseph Kabila Kabange, à Télémaki, na Assemblée nationale, pour na Koebi Sabana Mboka été. Bozela, dans 48 heures, Nazobi Miselabino, Premier ministre, parce que le problème est Zalaki Nde Angowana. Alors, Zalaki Mwa Nungu Nungu, rassemblement d'un côté, politicien de côté, opposition de l'autre côté. Bon, c'est moi qui va proposer 4 combos. Alors, Ezoa Kitan, jusqu'à ce que le président de la République, Andima Kiko, propose Oaye dans 48 heures. Lelo Tozobi Sabino, Premier ministre Zalaki nommé. Naliko monopolisé par Rolte, na 5 cabinets Boko Melabiso. Bopé sa WhatsApp, ba numéro dans le petit écran. Mais na linga qui na réfléchir ensemble, tout capé point de vue nae, le président Djemadare Kilele. Bienvenue papa. Merci beaucoup. Merci, salut à toi et à tous tes téléspectateurs, aux compatriotes congolais. Merci beaucoup. Tikana sala aussi ni que ezana ba téléspectateurs mingi. Intervention nyo sur le Karana Congo dialogue et ça la ka débat mais bazali bande ya mboka je crois yo moko pour mona ka babenga ka yo mingi ba SMS yaka
Ceci n'a pas la rabat ou avion baya vraiment à 4 Afrique du Sud. Awa bavana na plateau bayoka live. Hein, ba question sur yoko posé. Mettant tout temps à ba commentaire. Bazo félicité yo. Ba opé à kofinga. Bazo finga. Ba pa bazo ba gete réellement ces messieurs là a une tête bien faite. Merci. Ah, donc, Ezaka kate bazo tchola kayo. Mais interview Toto Salana Balabi réellement. Tout le temps, on peut si bon réponse que osa contre tout mon côté. Mais sauf que tu fais juste la pédagogie politique. Ko éduquer masse. Lelo yo ce qui est à la une monsieur Kilele Bruno Tshabala premier ministre président promettait dans 48 heures à respecter Ango. Votre point de vue avant tout qu'on annonce sur la personne de Bruno Tshabala. Merci comme Otu Koloba bamsusu bafingaka bamsusu balingi comme on le dit d'une manière un peu vulgaire nul n'est prophète chez lui. Et puis quand je parle, mon objectif n'est pas d'être aimé par les gens. Mon objectif est que les gens consument, enfin consomment ce que je dis. Quitte à eux, bamela tout bas sans avoir un alibi. Bon, dès qu'on a vu ce Bruno, banomeye, c'est un déchet qui va bientôt être jeté dans la poubelle de l'histoire politique au Congo. Comment? Oui, c'est un déchet. Il n'est pas différent de son prédécesseur ou de ses prédécesseurs. Je veux parler de Matata Ampogno, je veux parler d'Adolfo Mosito. Nous parlons donc de celui qui a été à temps temporel là-bas, Sami Badibanga. Ce qui manque à ces gens, à nous les Congolais, les alliés personnalités, et le sens de dire non quand il faut dire non. Même ceux qui croient à la Bible et au message biblique, il y a un passage qui dit il faut dire non quand il fait non, et oui quand il faut dire oui. Alors ces gens n'ont pas un sens, n'ont pas le sens de la personnalité pour qu'on se respecte et pour dire oui où il faut dire oui et non où il faut dire non. Oui, mais c'est qu'il est comment se fait-il que M. Bruno Tshabala pourrait être le déchet et pourtant Mboke Zaïre n'a besoin d'un Premier ministre? Le pays n'a pas besoin du Premier ministre. Le pays a besoin d'un gouvernement fort, responsable, redevable, surtout redevable à la population et authentique. Ça signifie un gouvernement national dirigé par les nationaux et non pas un gouvernement des occupants avec des collabos. Ce n'est pas les postes de premier ministrable qui développent le pays. Il y a des pays, comme on l'a dit la fois passée, qui n'ont pas de premier ministre, mais qui se développent. Donc on ne va pas passer du temps à discuter sur qui doit devenir premier ministre, et qui doit devenir vice-premier ministre, et qui doivent former les cabinets. Alors je disais donc que les patriotes, les compatriotes Bruno, sont un déchet de la société politique ou de l'élite politique au Congo, comme ce prédécesseur. Lui, comme les autres, manque le sens de la personnalité, de pouvoir dire non quand il faut dire non, oui quand il faut dire oui. Parce que tous parlent bien leur français, tous parlent bien leur anglais, leur lingala, tous se disent des intellectuels. Et ce sont eux qui se battent et qui se sont battus, qui ont dit à la population congolaise et à la communauté internationale que, suivant la constitution, depuis le 19 décembre, le mandat de Hippolyte Kagame Kanembe est terminé. Comment est-ce qu'ils peuvent être heureux et fiers d'être nommés Premier ministre par quelqu'un qui n'a plus le mandat du peuple et du pays?
Daï n'a jamais reçu ce mandat. Je ne veux pas verser dans cette histoire-là. Mais au moins, la Constitution sanctionne qu'après son mandat, il n'est plus président. Et lui émanant de l'IDPS, leur défunt président, a bien dit et a lu un petit papier à la télévision disant que le soi-disant Kabila ne peut plus et ne doit plus représenter les Congos, que ce soit à l'intérieur ni à l'extérieur du pays. Bon, comment Tshibala peut accepter une telle nomination? Vous savez, la honte pour nous les Congolais, c'est que il est rare pour un Congolais de démissionner. Il est rare. Nous utilisons la politique, le champ politique comme étant un champ agricole, unique et commun, là où nous devons venir moissonner ce que nous n'avons pas semé. Et chaque fois, quand on nous écarte et qu'on n'est plus capable de moissonner, on devient ce qu'on appelle opposant. Et dans ce cadre-là, on voit que ce ne sont pas vraiment des opposants. Ce sont des contestataires. Ce sont des gens qui réclament ce qu'ils peuvent appeler, entre guillemets, leur dû. Mais si le dû doit être un dû, il faut avoir participé à l'établissement ou à la semence de ce dû-là. Malheureusement, au Congo, tout le monde veut moissonner et ne veut pas s'aimer. Raison pour laquelle vous trouvez des gens qui ont une carrière politique de 40 ans, 50 ans, ils ne veulent jamais quitter la politique parce que la politique, c'est la maison mère. Parce qu'ils sont incapables de gérer une petite entité. Dites-moi, parmi tous les politiciens que vous voyez au Congo, surtout ceux qui sont au gouvernement, à moins que cela ne soit pas bien connu, qui parmi eux gère une société privée ou a géré une société privée? Qui parmi eux? Si ils sont cinq, ils sont nombreux et ils sont rares. Tout simplement parce qu'en dehors de la politique, ils ne peuvent pas survivre. Nous rencontrons beaucoup de mobutistes qui étaient des who is who, la crème de la crème. Ils sont des vanipiés, ils n'ont pas de voiture, ils n'ont plus de maison. Mais Mobutu leur a donné de l'argent, ils ont bousillé tout ça et ils sont devenus des pauvres. Raison pour laquelle tout le monde s'accroche à la politique. Parce que ce ne sont pas des bons gérants. La raison, vous le voyez, dès qu'ils sont nommés, ils ne présentent pas à la population un bilan de ce qu'ils auraient fait pendant le mandat qui leur avait été donné. Alors, M. Bruno Tshibala, qui accepte cette nomination, c'est un naïf comme les autres. Dans 8 mois ou 9 mois, d'après les discours de leur président, les élections seront tenues. Mais moi, peut-être ça sera une de tes questions, je ne crois pas quant à l'horaire ou à l'échéance de ces élections, je ne crois pas que les élections seront tenues en dehors 8 mois, parce que les gens qui ont passé 5 ans incapables de préparer les élections, comment est-ce qu'en 8 mois, 1 mois, 9 mois, ils seront capables de préparer les élections? Donc, quelque part, dans 2 mois, 3 mois, vous verrez que Bruno Tshibala, c'est Tshibala son nom, oui, sera écarté et humilié comme l'a été son prédécesseur Sami Badibanga. Les autres prédécesseurs, Matata Mponyo
Et l'autre, là, on fait la pluie et le bon temps, ils ont eu le temps de voler et d'être ce qu'ils sont. Mais je ne pense pas que Bruno Tshibala va faire une bonne mandature pendant ce temps. C'est quelqu'un qui manque de personnalité, tout comme le taciturne Sami Badibanga. Nous voulions, nous espérions peut-être que quelques Congolais disent non à certaines nominations, que quelques députés, que quelques sénateurs démissionnent. Et dans aucun pays, peut-être je suis ignorant, où l'on a vu un président qui n'est plus en fonction, qui se met à nommer qui des PDG, qui des ministres, etc. On n'en a jamais vu. Il n'y a qu'au Congo. C'est un cas rare. C'est vraiment exceptionnel. Alors, nos ennemis connaissent ce que nous sommes. Ils savent que les Congolais, ce sont les postes, les femmes, les voitures, les habits, et vous avez tous deux. En bref, c'est un échec pour le Congo une fois de plus. Merci beaucoup, Président Kilélé, pour votre intervention. Si vous venez juste de nous rejoindre, nous sommes en train de parler sur l'actualité, la nomination de Son Excellence le Premier ministre, Monsieur Bruno Tshibala Nzenze, qui vient d'être élu Premier ministre, nommé plutôt par le président de la République, Joseph Kabila, la semaine passée. Alors, selon M. Kilele, c'est vraiment une erreur. M. Kilele, juste, je voulais juste vous interrompre, mais vous avez quand même achevé votre idée. Le même jour que M. Bruno a été nommé, je crois que la journée, les après-midi avant qu'il soit nommé, M. Sami Badibanga a déposé. Tu vois, il a déposé sa démission. Ne voyez-vous pas qu'il pense, pensez-vous qu'il saviez qu'il sera remplacé par M. Bruno? Ou bon, ils se disent, bon, depuis qu'on m'a nommé, depuis le mois de décembre, je crois, jusque-là, son gouvernement ne travaillait pas, il n'était pas reconnu parce que les gens parlaient de l'accord de Saint-Sylvestre, ainsi de suite. Mais qu'est-ce qui fait qu'il puisse déposer sa démission, sachant que la même soirée, un autre ministre pourrait les remplacer. D'emblée, c'est une procédure administrative. Il n'y a rien de mal en ça. Sauf que rien n'arrive au hasard. Et même en étant là, en étant nommé pendant les 2 mois ou les quelques semaines qu'il était là-bas, sûrement celui qui l'a nommé lui avait dit que tu ne seras pas longtemps. On ne peut pas avoir confiance à un gouvernement de mafieux. Seulement, on lui a dit, sois là-bas pendant 1 mois ou 2 mois. Tu auras ton salaire et ça peut résoudre quelques-uns de tes problèmes que tu as. Il savait, en déposant la démission, ce n'est pas un événement, c'est une procédure administrative. Et peut-être il avait été averti, comme je viens de le dire, qu'il ne fera pas longtemps. Donc ça ne surprend personne, c'est un non-événement. Et il n'a rien fait pendant le peu de temps qu'il était là. Et son prédécesseur non plus ne fera rien. Donc ça ne surprend personne. Chers téléspectateurs, vous êtes avec José Bolloa dans l'émission Espace Dialogue, là où la réflexion et la connaissance se marient. Donc, s'il y a des questions à poser, toujours des commentaires à faire, n'hésitez pas, nos numéros sont là, WhatsAppez-nous, Facebookez-nous, allez dans notre YouTube channel Congo Dialogue et dans notre site internet www.congodialogue.com, juste pour prendre part à cette réflexion. Monsieur Kilele, pour avancer un tout petit peu, en suivant votre argument, vous pensez que la nomination de M. Bruno, comme on dit en anglais, it's useless. Ça va seulement apporter absolument rien dans la nation congolaise. Et pourtant, M. Kilele, c'est selon le gouvernement en place, selon la population congolaise, c'est l'un des moyens parce que pour le moment, les Congolais veulent les élections. Alors, pendant Lukara Kimia, faut nominer ce Salama de façon que vous allez nommer à préparer l'élection, quoi qu'on lobby que dans 8 mois, que vous allez pratiquement impossible. Mais monsieur, vous allez enregistrer et vous allez toujours garder. Tout bien, encore des fois, l'homme sous prophète, mais monsieur, le babat bandi, mais des fois, le temps nous donne toujours raison.
Est-ce qu'ils ont erreur? Au moins, tu es juste pour nous reluka Kim et Namboka. C'est une gaffe, comme je l'ai dit auparavant. C'est une gaffe. On ne peut pas prendre les Congolais en otage à cause de ce qu'ils appellent de réalisation. Mobutu nous a pris en otage avec le slogan de la paix. Oui, il y avait un ensemble de paix à l'époque de Mobutu. Pendant qu'il avait la mission de développer le pays et de nous amener à un certain niveau de développement, il nous a, lui et son gouvernement, abreuvé du slogan pacifique. Kimia, Ndezali, Malamu, na Congo, etc., etc. Pendant que des pays qui étaient au même niveau que le Congo, que les Zaïre à l'époque, en 1957-56, la Corée du Sud, le Ghana, tout ça, le Ghana n'en parle pas, c'est un pays pauvre ou appauvri. Mais allez voir les Philippines, l'Indonésie, la Corée du Sud, ce sont des pays qui ont émergé et qui sont développés. Et il y avait et la paix et le terrorisme là-bas, mais ça n'a pas empêché les pays de faire un bond en avant pour se développer. Le Congo était sous l'emprise de la paix mobutienne. Nous ne sommes nulle part. Quand Tshisekedi a commencé sa soi-disant opposition contre Mobutu, on nous a parlé d'un acquis de la libre expression. Mais pourtant, même avant que Tshisekedi ne puisse pas commencer son mouvement, dans la constitution de 1960, la liberté d'expression était reconnue dans certains articles de la constitution de 1960 et même du fédéralisme de Luabourg. La libre expression était reconnue. Les UDPCiens nous disent que Tshisekedi est mort, un des legs, c'était la libre expression. Les batoiseaux, le bas quand même, bien que basé sur la radio, TP, la télévision, mais même en catimini, les gens parlaient. On ne peut pas, n'est-ce pas, stopper les gens de pouvoir parler, même dans leur chambre, ils parlent. C'est une expression libre. Alors, l'UDPS garde les gens dans cette autre emprise que non. C'est grâce à leur feu, président, que le Congo a bénéficié du crédit de la libre expression. Les gens de PPRD osent dire Kabila est l'architecte de la paix, c'est lui qui a l'expérience de gérer la nation. Et pendant les 16 ans, il y a la paix. Pendant qu'ils disent des bêtises comme ça, on tue nos confrères au Kasaï, on décapite des gens au Kasaï, à Beni, au Kivu, n'en parlons même pas. C'est un rituel au Kivu. Et au Bas-Congo, avec les Bundu en Congo, où l'on décapite les gens, on montre les têtes des gens en trophée. Mais il y a des politiciens congolais qui passent à la télévision qui disent l'ère soi-disant Guillaume Kabila est l'architecte de la paix. Pendant que le pays est occupé, pendant que le pays est envahi, mais il nous parle de la paix. Et je pense que c'est une folie. Et de la part des politiciens congolais que nous sommes. Bruno Tshibala, tout comme ses prédécesseurs, ont été fiers de leur nomination, peut-être devant leur famille, devant leurs amis et leurs copines, mais ils oublient et ils ont oublié que ils n'ont pas le pouvoir exécutif. C'est juste une simple nomination. Parce que les aléas du pouvoir sont là. Ils ne contrôlent pas le service d'intelligence. C'est entre les mains des Rwandais. Ils ne contrôlent pas la police. L'inspecteur général de la police, c'est Bisengimana, un Rwandais. Ils ne contrôlent pas l'armée. L'armée est entre les mains de Kagame, de Museveni et du proconsul au pays, et Hippolyte Kajembe et Kanembe.
Il ne contrôle pas le ministère de l'Intérieur parce qu'Azarias Ruberwa, Rwandais, est là. Les services d'intelligence, Bizimana Karamouetu, contrôle les services d'intelligence. Alors, lui, Bruno Tshibala, ou Tshibila, excusez-moi son nom, il contrôle quoi? C'est le salaire qu'on lui alloue et un cabinet des applaudisseurs et espions qu'on lui donne, ça avance le Congo à quoi? Ça avance la population en quoi? Totalement à rien. Donc, c'est de la futilité. Il n'y a rien d'impressionnant dans tout ce qui a été fait. Et alors, une fois de plus, c'est le Congo qui s'est exposé à la honte. C'est tellement risible. Et nous ne devons pas applaudir ça. Bruno Tshibala, s'il est un homme normal, devait refuser cette nomination et rester dans l'opposition. Parce que, aussi chez les IDPciens, l'opposition, c'est une carrière. Donc, c'est une honte pour le Congo. Monsieur Kilele, merci beaucoup. Nous avons voulu vous prendre juste pour émettre vos points de vue concernant la nomination de Monsieur Bruno Tshibala Nzenze, qui aujourd'hui est à la tête du gouvernement de la RDC. Nous aimerions peut-être nous atterrir petit à petit, mais votre point de vue, Bruno vient de l'opposition du parti UDPS. Et actuellement, vous avez toujours l'habitude de le dire qu'il n'y a pas vraiment l'avenir de l'UDPS. La population s'attendait peut-être à la nomination de Félix Tshisekedi, prononçant cela de la bouche du président Joseph Kabila, mais dommage, c'est maintenant Bruno qui prend la tête. Selon les informations, le président Kabila attendait la liste de 2-3 personnes que le rassemblement devait leur proposer. Mais nous n'avons vu aucune personne venant de la liste que le rassemblement a proposé. Maintenant, le Félix Tshisekedi n'est pas là. Et j'ai des informations disant que le rassemblement maintenant met en place à ce qu'on appelle le CNT, hein, disant que la nation est en danger. Ils ont mis en place le Conseil national des transitions qui est dirigé par M. Félix Tshisekedi. Ne voyez-vous pas que quelque part la nation en question, la nation congolaise, dans la confusion? D'un côté, le gouvernement du président Joseph Kabila nomme un premier ministre, et de l'autre côté, les rassemblements aussi met à son sein en place le Conseil national des transitions que M. Félix Tshisekedi dirige. Votre point de vue là-dessus? Je dois dire, comme je l'ai toujours dit, qu'il n'y a pas d'opposition au Congo. Peut-être les opposants, c'est nous qui sommes à l'extérieur du Congo et qui ne bénéficions pas de privilèges ou de largesses du gouvernement. Vous savez, il n'y a qu'au Congo où des groupes s'improvisent pour chercher à se faire nommer ou à prendre le pouvoir. Il n'y a aucun pays où l'on trouve des gens tels que, on trouve des groupes tels que les rassemblements, la CENCO, les hauts conseillers de la République, l'isoral, des histoires comme ça. Il n'y a que au Congo où l'on trouve des groupes de mafieux de ce genre. Ailleurs, ce sont les partis politiques classiques qui se battent pour la prise du pouvoir. Ce ne sont pas des groupes amicaux, ce ne sont pas des groupes religieux, ce sont des partis. Quand vous allez en France, on vous parle de la gauche, de la droite, on vous parle des partis communistes, des partis nationalistes de Marine Le Pen. Vous allez en Amérique, vous trouvez aussi la même chose, les démocrates, les républicains. On ne trouve pas... On ne trouve pas
de groupes qui s'entendent pour s'improviser comme étant des partis politiques. Moi, j'appelle ce genre de groupes des intrigants. Ce sont des intrigants. Hein? Ils viennent intriguer la logique politicienne que le monde a connue. On prend les pouvoirs soit par les armes, soit par les élections, ou soit quand on est descendant d'une famille monarchique. Mais il y a des partis politiques. Pourquoi le défunt Tshisekedi n'a pas toujours continué à militer dans son IDPS, mais il crée le Rassemblement? Donc le Rassemblement, c'est un nouveau parti politique. C'est quoi ce qui procole là, le Rassemblement? Et maintenant, vous nous parlez de CNT. C'est quoi ça? Hein? Conseil national de la transition. Et puis, il y aura le Conseil national des aigris. Et il y aura des conseils nationaux, je ne sais pas de quoi, des descendants de l'IDPS, des descendants d'IMPR. Mais tous ces groupes des aigris proviennent d'où? Alors, vous voyez que vous avez affaire à une bande des amateurs politiques, des affamés, ils ont faim. Et chacun amène un nouveau label pour impressionner l'air naïf du président et la communauté internationale. Ils claironnent les noms, le sigle de quelque chose et les Congolais y mordent. Je trouve que c'est de l'amateurisme politique et ça ne va pas amener le Congo nulle part. Le Congolais doivent chercher à prendre le pouvoir à travers des partis politiques ou les trois voies classiques que j'ai nommées et n'ont pas créé des groupes de mafieux, des groupes d'intérêt. Hein? Parce que l'IDPS, comme nous connaissons, n'est plus l'IDPS. L'IDPS devient une propriété privée de la famille Tshisekedi et peut-être rachetée par Moïse Katumbi. Parce que depuis Genval, que vous appelez Genval, ayant financé l'organisation de la conférence ou des réunions, payé les billets d'avion de Tshisekedi, c'est lui qui devient l'actionnaire principal, n'est-ce pas, de l'IDPS. Raison pour laquelle vous voyez qu'il y a dislocation, que vous voyez les Tshibala, comment vous l'appelez, Tshibala quitte, et il se fait emprisonner, et il se fait arrêter à l'aéroport. Mais ce qui s'est passé n'était pas au hasard. On l'avait déjà dit qu'on veut te débaucher. Yo, ça n'est au Kangio, yo mutokoya. Il a trahi l'IDPS parce qu'on l'avait déjà contacté. Même aujourd'hui, on parle de notre compatriote Valentin Mobake. Ce serait une de tes questions. Mais il n'y a rien du mal que Valentin Mobake a fait. Hein? Valentin Mobake n'a fait que ce que les autres avaient fait. Tu sais que d'y aller rencontrer Hippolyte Kajamber Kanembe en privé, sa femme, son fils et certains membres de l'IDPS que nous connaissons allaient rencontrer Kanembe en privé. Maintenant, si lui, il va sans peut-être leur aval, où est le problème? C'est comme l'histoire, vous savez ce qui se passe dans l'IDPS? C'est comme la légende biblique entre Dieu et Satan et Adam et Ève. Il y a trois entités, Dieu, Lucifer et les hommes. Vous voyez, Satan connaissait tous les secrets de Dieu. Maintenant, Satan est allé communiquer ce petit secret aux êtres humains. Dieu a dit, mais comment, mister, Zaki Yonangaï, mais comment se fait-il? Tu vas maintenant tout dévoiler à ces gens-là que nous voulions garder comme étant des animaux pour ne pas raisonner. Alors, yo, nakobenga na yo, okende.
Même chose avec l'IDPS. Le chef de file, sa femme, son fils et les autres voulaient monopoliser l'information et les secrets entre eux et les pouvoirs régnants depuis Mobutu jusqu'à nos jours. Ils ne voulaient pas que quelqu'un d'autre sache ce qui se passe là-bas, comment la transaction monétaire, la trahison se passe. Mais si Koyo, Bamoni Motumususu a accueilli comme Birundo l'avait fait, la sanction était Kobenganaï. Parce qu'ils ont peur à dévoiler secret, accueilli, il a vu. Oh, donc, ils ont un déboy. Donc, ça va nous balader. Parce que quand Valentin est arrivé là-bas, je n'y étais pas non plus, vous autres. Ok? Je n'étais pas. Mais on peut assumer, dans une présomption, que c'est ce qui s'est passé. A commis Kanambe FC. Mtoto, sikia mama ndio nakwambia. Wenzako wanakuyaka hapa. Nabapatiaka fedha wanaenda. Ni rais anabapatia fedha anaenda. Juste pour ceux qui ne parlent pas les Swahili. Il doit dire mais ceux-là qui se targuent là, qui se targuent, qui te tapent la poitrine là-bas. Viens ici, je leur donne l'argent. Preuve, talawa. Je sais que tu as signé kao. Mwana na ya signé kao. Tel a signé kao bazokalar. Bongo. Yo zolarte, okufaka pauvre boy. Alors, ah, donc c'est comme ça. Moubaki a dit, alors moi aussi je dois faire la même chose. Donc on nous roule de la farine. Le fait qu'il est allé découvrir ses secrets, les caciques de l'IDPS se sont dit, ah, finalement ils vont nous exposer. Qu'est-ce qu'il faut pour ne plus lui donner une plateforme d'expression? Eh bien, on doit l'écarter. C'est ça la vérité. Parce que c'est devenu un endroit, un forum de chasser les gens. Beaucoup de gens ont été chassés de ce parti parce qu'ils ont découvert la vérité. Et d'autres se sont dit au lieu de chasser Ngaï, je dois être les côtés de la majorité présidentielle. Nga penali à quoi? Ainsi, vous voyez notre compatriote Tshibala, Sami, se sont dit bon, moi j'accepte la nomination. Et à l'époque aussi, et comment il s'appelle, Birundo avait dit, moi aussi j'accepte la nomination parce que le chef de file, lui est Mokwaliaka, pourquoi Pangaï? Donc c'est ça le problème. Monsieur Guilele, merci beaucoup. J'avais voulu vous interrompre quand vous parlez de Valentin. Les rumeurs circulent que, apparemment, j'ai bien dit apparemment, hein, suivez mes mots, que Moïse Katumbi aurait acheter l'UDPS, aurait dans l'avenir être à la tête parce que c'est lui qui aurait financé l'évolution de l'UDPS. Je crois que nos amis de l'UDPS, vous nous suivez. Si nous sommes en dehors des informations, vous êtes la bienvenue. Nos numéros sont à petit écran. Vous avez toujours l'habitude de les faire. Hein, envoyez-nous. Et comme vous avez toujours l'habitude de les dire, nous avons toujours l'habitude de dire. Donc, Oeza Platonabino, Boué Koyat, Ovandi, te discuter ensemble. Comme moi, éclaircissement, sous peut-être, vous pensez que, mais c'est qu'il est ses arguments à Zalibanda Masolo. Mais les rumeurs circulent que Moïse Katumbi est déjà allié à Félix Tshisekedi. Votre point de vue là-dessus? Il n'est pas allié. Il est propriétaire. Oh. De l'IDPS. Il est actionnaire principal. Comme on dit en anglais, shareholder. Tu vois, c'est une SPRL, société privée à responsabilité limitée. Et les propriétaires peuvent appeler d'autres actionnaires. Bon, vous devez comprendre que la nature du métier, d'abord, c'est une nature prostituée. Vous devez comprendre ça. Tout métier est un ou une prostituée. Parce que c'est une personne qui émane de la curiosité sexuelle. Et non pas une créature de Dieu. Parce que Dieu a créé la race noire et peut-être d'autres races. Mais les Blancs voulaient voir, voulaient goûter et chercher à découvrir qu'est-ce qu'il y a dans les parties génitales de la femme noire. Ainsi, il a produit le métis. Regardez tous les métis partout où ils sont.
ils ont un comportement dépravé, un comportement bizarre, parce que ils n'ont pas été créés par Dieu. Dieu a créé les Noirs et d'autres gens, pas eux. Et ils sont sortis de la curiosité sexuelle. Donc ils ne sont pas créés par Dieu, vous qui croyez en Dieu. Vous voyez ça? Alors, dans tout leur comportement, ils agissent de la même façon. Moi, je dois vous le dire. Votre Moïse Katumbi est membre du PPRD. Jusqu'à aujourd'hui, à preuve du contraire. Parce que il est prostitué de nature, biologiquement. Il infiltre l'IDPS. C'est de la prostitution. Et le naïf du fils de Tshisekedi croit qu'il a un soutien, un support de celui-là. Il infiltre comme la tique entre dans notre corps. Azali Yanzi. Jusqu'à ce qu'il va faire pourrir l'IDPS. Mais entre-temps, il est membre du PPRD. Vous croyez quelqu'un qui a été avec Kanambe pendant 12 ans, 13 ans, excusez-moi, va quitter le PPRD alors qu'il est devenu riche grâce à cette couverture? Bien qu'avant ça, il a travaillé, il avait la poissonnerie de son père. Je vous apprends, vous les Congolais, que Moïse Katumbi est membre de mon parti, du Parti National Congolais. Moi qui l'ai. Moi, je suis son président et j'ai des correspondances entre moi et lui. Vous voyez ça? Okay. Et qu'il était prêt à me financer. Et j'ai des documents qui le prouvent. Il ne peut pas le nier, lui et Kyungwa Kumanza ne peuvent pas nier ça. Le lot a rien à y dépasser. Lobby a aucun père. Tout en sachant qu'il est membre, il est ami à Kamere. Bota la kaka vidéo, toko la kisabino yango. Avant interview yo, toko la kisabino vidéo, et c'est que yé Moïse Katumbi, Kamere, na Tshisekedi, na Tshisekedi fils, bazo sa kindoki na bango. Tout ça na yango, toko pesa bino yango. Mateso ya watoto wa masomo ya tidia pasi na bango, pasi na biso, mateso yetu. Mateso ya ba mama, mateso yetu. Asante. Pasi ya ba etudia na ba jene na biso, eza pasi na biso nyonso. Mateso ya ba etudia, mateso ya population yote ni mateso yetu shibote. Ya ba shege. Mpasi ya ba shege, mpasi na beto. Dikenga ya bana ba Kongo mzima, mzima dikenga dietu bonso. Eyo. Pasi na beno, pasi na beto. C'est jour pour dire aux Congolais quelle façon nous devons désormais nous saluer pour mobiliser ce peuple pour que triomphe le combat pour la démocratie. Le destin du peuple congolais, c'est entre les mains congolais, nous ne sommes que des lampes témoins en tant que leader pour indiquer la voie à suivre. Le peuple gagnera parce que Dieu est avec nous. Personne ne sera contre nous. Passi na biso. Passi na biso.
Passi na yo, passi ya bana Congo, passi na biso nyonso. Passi na yo, passi na ngai. Passi na yo, passi na ngai. Dikenga die tu wonso dikenga ya bana ya Congo. Merci, merci, merci. Nzambe andolambe. Et puis il sera dans d'autres partis politiques. Ça prouve l'instabilité mentale, physique et la versatilité d'un métier. Dans une interview de 2007, j'en avais parlé qu'un métier, c'est une chauve-souris. Une chauve-souris, c'est un animal en même temps. Un oiseau. Il vole et il a des dents. Quel oiseau avez-vous vu avec des dents? Les oiseaux ont des becs et n'ont pas de dents. Mais cet oiseau qui vole, qui a des dents, animal en même temps, et qui est mammifère, avez-vous déjà vu des oiseaux mammifères? Etc. Ce sont des ovipares et des vivipares, etc. Mais il est mammifère, oiseau, animal bipède. Ça doit vous dire quelque chose, que ce sont des créatures étranges. Et que politiquement, vous devez faire attention à ne pas vous associer avec des gens comme ça. Parce qu'ils sont versatiles et ils vont vous trahir toujours. Alors, le naïf et le pauvre fils de Tshisekedi, ce qui lui reste seulement, c'est de mourir comme son père. Parce qu'il va le tuer. Il ne sait pas pourquoi Moïse est là. Il ne sait pas comment. Hein? Parce que il doit connaître son passé, son background. Que c'est quelqu'un dont la maman était une domestique dans la maison, une Zambienne qui était domestique, et que son père a commencé à coucher avec la domestique pour avoir Moïse Katumbi. C'est pas qu'il est le qui le dit, c'est connu par tout le monde. Et son père était le père de Raphaël Katumbi Katoto, qui est sorti du mariage légitime. Et parce que sa maman zambienne était domestique, son père a commencé à coucher avec la domestique pour mettre au monde Moïse Katumbi. Alors, vous voyez de quelle union il est sorti. Pourra-t-il créer une union, soit-elle politique, sociale, stable? Non. Lui-même, Moïse Katumbi, avait engrossé la fille de son grand frère Katebe Katoto. Mais c'est connu. C'est pas qu'il est qui le dit. Mais nous connaissons tout ça. Et il va arriver des moments où nous allons encore dire beaucoup. Alors, vous voulez amener dans la politique du Congo des gens comme ça. Qui ne sortent pas d'une structure sociale, familiale stable. Pour en faire des dirigeants du Congo. Je le répète, le Congo appartient aux Noirs. Les autres races ont le droit d'y vivre en tant qu'être humain. Le pouvoir doit nous appartenir, nous les Noirs. C'est notre pays. Ce n'est pas un pays à vendre. S'il veut faire son commerce, il n'y a pas de problème qu'il le fasse dans la légalité, mais qu'il oublie la politique, il va nous trouver devant son chemin. Et lui, et Kamitatu, Masamba, Kengo Adondo a eu la chance d'être là toujours. Le Congo ne doit pas continuer à être dirigé par des bâtards. Nous en avons marre de tous ces bâtards métis qui viennent chez nous, qui veulent se montrer comme étant de nouveaux colons, des néo-colons, qui veulent nous diriger parce qu'ils ont leur peau que nous n'envions même pas. Il n'y a pas de plus belle peau que la peau noire. Donc, parce que vous parlez le français, l'anglais, vous venez chez nous, vous voulez intimider
Le noir, comme c'était à l'époque de l'invasion, quand les blancs, les soi-disant blancs, sont arrivés au Congo. Et vous voulez vous imposer avec votre peau parce que, soi-disant, vous êtes des races supérieures. Mais nous connaissons que les blancs couchent les chiens, couchent les chevaux, couchent les chiens et les chats. Raison pour laquelle, chaque fois quand vous voyez une femme blanche a un chien ou un chat dans sa maison, c'est parce que le chien est soit sa femme ou soit son mari. Alors, vous voulez amener ça, vous appelez ça la démocratie, vous amenez des gens qui ont de morale dépravée comme ça pour diriger le Congo et qu'on les cater. Voilà, monsieur Djemadare Kilele, nous sommes presque à la fin. Merci pour votre temps. Je ne sais pas, pour résumer notre entretien, nous avions voulu parler de la nomination de monsieur Bruno Tshibala Nzenze, le premier ministre actuel. Dans ma langue. Oui. Nzenze, dans ma langue, lega, ça signifie un instrument musical. Nzenze, nzenze, c'est comme on joue là-bas, on appelle nzenze. Ça signifie, ça donne allusion à une histoire qui va vous endormir quand vous jouez la mélopée. Alors nzenze, Bruno nzenze, c'est de la musique qui va faire endormir le peuple congolais. C'est encore une autre musique, une musique de corruption, une musique de stupidité. Le Congo n'a pas besoin de ça. Monsieur Kilele, avant de vous laisser, dis-moi un coup de chapeau au président Joseph Kabila. Durant son discours, il a dit que dans 48 heures, ça je reçois le message venant du président de l'Union africaine, Alpha Condé, disant qu'il félicite aussi le président Joseph Kabila de ce qu'il a tenu sa parole. Dans 48 heures, il aurait nommé un premier ministre. Et du moins, il en a fait après 48 heures. Bruno est là. Vous pas que quand même, M. Kilele aurait donné coup de chapeau au président Joseph Kabila de ce qu'il a tenu à ses mots et il a réalisé cela, juste pour rechercher la paix dans la nation congolaise. C'est une honte que la politique congolaise soit téléguidée de l'extérieur. D'autres pays ne le font pas. En Guinée, lui, quand il a été nommé, qui a téléguidé la Guinée? Quand ils ont tué les gens au stade, personne ne l'a fait. Donc, s'il félicite son soi-disant Kabila, c'est son problème. Ils sont tous des meurtriers. Hippolyte Kajambele Kanembe n'a rien réalisé. J'ai suivi son discours. Il appelle l'état de la nation. Je pense que ce discours ne peut pas être appelé un discours de l'état de la nation. C'est un discours de l'état de son âme. Comme Mama Olang a l'habitude de le dire, ça, état d'âme naïe, ce n'est pas l'état de la nation. Parce que l'état de la nation, c'est la guerre. Le social n'est pas accompli. Nos enfants n'ont pas de bourse d'études. Les enseignants et tous les fonctionnaires ne sont pas payés. On les paye 80 dollars, parfois même 50, alors qu'ils louent des maisons de 80 dollars, de 50 dollars. Alors on se demande, dans le panier de la ménagère, ils restent avec combien? Les citoyens congolais sont tués partout. Il n'y a pas de relance économique. Il n'y a pas de nouvelles entreprises qui engagent la jeunesse congolaise parce que quelque part dans son discours, il a parlé de la jeunesse congolaise, l'espoir du Congo. C'est chaque année que les universités, les écoles déversent la jeunesse congolaise sur le marché, qui deviennent des vendeurs de makala, nombreux deviennent des pasteurs. Et nombreux sont devenus des Kuluna. Alors, il les félicite en quoi? Où sont les cinq chantiers que Tshala Mwana, à tout moment, était en train de dédier des chansons pour eux? Certains musiciens qui étaient forcés sans doute, mais une sorcière telle que Tshala Mwana, à tout moment chantait. Il était en train de louer Kabila. Où sont les cinq chantiers? Il n'y a pas de relance économique. Pendant 16 ans,
Le type n'a rien fait, il ne mérite pas de félicitations. C'est quelqu'un qui doit être appréhendé, jugé et exécuté. Lui et tout son cabinet. Donc, il ne mérite rien. Et je suis pessimiste quant à l'organisation des élections au mois de décembre. Parce que dans son discours, il a juste dit que tout ce que nous faisons, c'est parce que les élections doivent avoir lieu. Mais il n'a pas donné une date que c'est tel jour, telle date. Et d'abord, il n'a pas la légitimité de fixer la date parce qu'il n'engage pas le Congo, les Congolais. Il engage son groupe qu'il appelle le MP, la majorité présidentielle. C'est tout. Donc, le Congo n'a pas de chance, vous savez, d'avoir toujours à sa tête des dirigeants qui sont crétins comme lui. Mobutu était charismatique, mais il ne nous a pas laissé le développement. Nous avons raté Laurent Kabila, et voilà, on nous amène un crétin qui devient président et qui fait de nous ce qu'il veut. Ce n'est pas sa faute. Je vais terminer ces mots en félicitant Hippolyte Kajambere Kanambe. En tout cas, monsieur Hippolyte Kajambere Kanambe, tu es un génie. Tu as su te maintenir au pouvoir pendant presque 16 ans, régnant sur une bande d'idiots, professeurs d'université, politiciens, ingénieurs, médecins, qui rampent devant toi, qui t'applaudissent, qui sont ivres, qui te dédient des chansons. Tu es un génie. Et tu dois toujours remercier Papa Wemba qui t'a tué et les Chege qui ont lancé le terme chance Elokopamba. Toi, tu es chance Elokopamba. Président d'un pays tel que le Congo, c'est une grande première. Sureur de chaussures, mécanicien, receveur de taxi, bandit. Toi, tu tuais les gens à Lubumbashi, je connais. Et du coup, tu deviens président d'un si grand pays tel que le Congo. Vraiment, chance à l'oncle Pamba. Mais je te dis que tu vas mourir comme tout le monde. L'argent que tu as volé ne va pas prolonger ta vie. Ne va non plus pas te ressusciter. Tu as raté l'histoire. Il fallait passer. Tu es entré par la petite et il fallait y sortir par la grande porte. Nous n'avons rien contre toi. Tu es un être humain. Il a fallu que tu dises, ben, je suis ici, j'ai choisi le Congo et je vais développer le Congo. Tu ne l'as pas fait. Tu es juste un petit goinfre, pauvre, émanant d'un pays pauvre. Et tu as vécu de la pauvreté, toi et Kagame. Regarde d'abord ton patron Kagame, mince comme la menthe religieuse, mince comme un ver de terre. Malgré tout ce qu'il vole au Congo, Ayakanaï Mounen était mis sur Bima Bouenet, menthe, religionnette, crapaud. Et toi aussi, tu vas finir comme lui. L'Occident est prostitué, c'est la grande Babylone biblique. Saddam Hussein a tout donné à l'Occident. Ils l'ont pendu comme un chien. Charles Taylor a tout donné à l'Amérique. Des diamants. Il croupit à la haie. Et il y a bien d'autres exemples. Des gens qui ont tout donné à l'Occident, qu'ils ont fini par tuer. Le Rwanda n'a rien. La Tanzanie, le Burundi, l'Ouganda n'ont rien. Et toi, tu émanes d'un pays pauvre. Tu as un esprit pauvre. On te trompe.
pas les Mobutistes qui te trompent comme ils ont trompé Mobutu. Et tu vas mourir dans la pauvreté, laissant tout ce que tu as amassé. Tu peux construire des immeubles en Tanzanie, inaugurer des immeubles partout. Ça n'a rien, petit. Le Congo est notre. Et nous allons rester au Congo. Et toi, tu ne vaux rien. Espèce de criminel. Voilà, chers amis, téléspectateurs, nos amis internautes, nous sommes presque à la fin. Ça, c'est l'intervention de M. Djemadar Ekilele, le président national congolais ici en Afrique du Sud. Vous avez suivi son intervention. Quant à moi, je suis Bolois, je suis presque à la fin. On est presque à la fin de notre intervention de cette semaine, de ce mois ici. Nous avons voulu évoquer ce qui est à l'actualité de notre pays et au travers le monde entier. Même la RFI en a parlé, le TF en a parlé. Des réseaux sociaux en ont parlé, la nomination du monsieur Bruno Tshibala Nzenze qui conduira le gouvernement à la préparation des élections qui aura lieu à la fin de cette année. Alors vous avez suivi le message que monsieur Djemadar Ekilele a pu lancer, son opinion, n'est-ce pas, sur la nomination. Selon lui, c'est absolument rien, c'est juste la distraction. Alors il a aussi voulu évoquer la position de l'IDPS ainsi que des rassemblements. Où en sommes-nous? Il y a vraiment une totale division au niveau du rassemblement parce qu'il n'y a pas unité là-dessus. Alors s'il y avait des questions à poser là-dessus, il y a des avis contraires à cela, n'hésitez pas, s'il vous plaît. Comme vous savez, Spatialogue et Espasoyo Tozoyamba, nous prenons la réflexion et la connaissance, mettons ça ensemble. Si vous voulez encore que M. Kilele rentre encore, n'hésitez pas, comme vous avez l'habitude de le faire, écrivez, postez vos questions, vos préoccupations. S'il y avait des éléments que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à aller dans notre YouTube channel, Congo Dialogue. Vous allez aussi prendre des parts à la discussion. Donc la discussion continue dans notre Facebook, la discussion ou les débats continuent. Dans notre Facebook, je suis Bolois, et dans notre YouTube channel. Les numéros sont là aussi, n'hésitez pas. Les numéros aussi de M. Kilele sera affiché dans votre petit écran. N'hésitez pas, vous pouvez l'appeler s'il y a un élément que vous n'avez pas compris. Alors, tous les propos engagés pendant cette discussion et tous les propos émis dans cette émission engagent que mon invité. Merci à la grande dame Francine Ngembe de la Belgique qui nous a donné cette plateforme d'être là où vous êtes. Et si vous avez aimé cette émission, dis merci aussi à Jean-Marie Poupa qui était à la caméra ainsi qu'à la réalisation. Quant à moi, Bolois, Papa Bolois Josué, je vous dis merci. On se retrouve à la fois prochaine. Vive la RDC. Vive la RDC. Vive la RDC. Un jour, ce pays sera restauré et sauvé. Merci. À la fois prochaine. Bye. Merci.